J'ai pensé à toi aujourd'hui. Au magasin, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. L'Antrios n'est pas blanc. Non, bien sûr. Mais c'est pour dire... Tu trouves que ce tableau n'est pas blanc, Yvan? Pas tout à fait, non. Ah bon? Et tu vois quoi comme couleur? Je vois des couleurs. Je vois du jaune. Du gris. Des lignes un peu ocre. Et tu es ému par ces couleurs? Oui, je suis ému par ces couleurs. Yvan, tu n'as pas de consistance, tu es un être hybride et flasque. Pourquoi tu es agressif avec Yvan comme ça? Parce que c'est un petit courtisan servile, bluffé par le fric, bluffé parce qu'il croit être la culture. Culture que je vomis définitivement, d'ailleurs. Qu'est-ce qui te prend? Mais comment peux-tu, Yvan, devant moi, Yvan? Devant toi quoi? Tes couleurs me touchent, oui, ne t'en déplaise, cesse de vouloir tout régenter. Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Parce que c'est la vérité. La vérité? Ces couleurs te touchent? Oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent, Yvan! Ces couleurs le touchent, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Comment, il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit? Non. Pourquoi il n'a pas le droit? Tu sais que tu n'es pas bien en ce moment, tu devrais consulter. Il n'a pas le droit de dire que ces couleurs le touchent, parce que c'est faux. Ces couleurs ne le touchent pas. Il n'y a pas de couleurs. Tu ne les vois pas. Et elles ne te touchent pas. Parle pour toi. Quel avilissement, Yvan! Mais qui es-tu, Marc? Qui es-tu pour imposer ta loi? Un type qui n'aime rien, qui méprise tout le monde, qui met son point d'honneur à ne pas être un homme de son temps. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme de son temps? Ciao, moi je m'en vais. Où tu vas? Je m'en vais, je vois pas pourquoi je dois supporter vos vapeurs. Reste! Tu vas pas commencer à te draper. Si tu t'en vas, tu lui donnes raison.